Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Genre et Société, dans laquelle nous parlons quotidiennement des questions d'égalité et d'inégalité entre les hommes et les femmes dans notre société, leurs rapports sociaux. Avec moi sur le plateau, deux personnes que vous connaissez très bien, Madame Christelle Dibata, bonjour. Bonjour. Et Monsieur J. Pica. Bonjour. Vous allez bien ? Bah, toujours heureux de retrouver ce plateau et je pète la forme. Eh bien, je suis heureuse de vous accueillir, de vous avoir encore à nouveau dans cette émission. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que dans le monde, 6 femmes sur 10 connaissent une forme de violence et 89% de ces violences sont des violences conjugales. Aujourd'hui, nous allons parler de cette thématique, des violences conjugales. Qu'est-ce qu'on entend par là? Comment ça se manifeste et comment ça se vit dans la famille et dans les couples? Avec moi, deux invités que j'ai le plaisir de vous présenter, Madame Annie Maudy, qui est directrice de l'association Afia Mama, mais qui est aussi activiste des droits féminins. Bonjour Madame. Bonjour Madame Ange, et merci de m'avoir sur votre plateau. Merci à vous d'avoir répondu présente. À côté d'elle, Monsieur Charles Villa, qui est CEO de ICT.communication. Il aura l'occasion de nous parler de ses actions, mais qui est également activiste citoyen. Bonjour Monsieur Charles. Bonjour Madame Ange. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est le nôtre. Merci à vous de nous avoir invités. Super. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Peut-être que Madame Annie peut nous faire une situation globale en RDC des violences sur les femmes. Encore une fois, merci. Vous m'avez bien présenté comme activiste de droits de la femme. Je suis d'abord activiste de droits humains en général. Et là-dedans, nous mettons un accent sur le droit de la femme parce que ce sont ces droits humains de cette catégorie d'êtres humains qui ne sont pas souvent respectés ou même connus par la cible elle-même. En République démocratique du Congo, je donne une situation générale. Nous avons un cadre légal très progressiste, mais notre cadre légal ne parle pas spécifiquement des violences conjugales. Ça, c'est déjà un problème. Nous avons le code pénal qui touche un peu les coups et blessures. Ça, c'est sur tout le monde. Nous avons le code de la famille qui parle de droits des conjoints ou des parents ou des enfants. Mais les violences conjugales comme couvertes ou garanties ailleurs par rapport au cadre légal, chez nous, il y a cette absence-là. Mais justement, qu'est-ce qu'on entend par violence conjugale? Est-ce que c'est uniquement les violences sexuelles ou il y a toute autre forme de violence qui va avec? Ça, c'est toute autre forme de violence. Ça part de la violence qui peut être verbale, oui, qui est psychologique et qui est physique aussi, parce qu'il est arrivé dans ce pays, trois dernières années, que nous avons enterré des jeunes femmes, une avocate dans la ville de Bukavu, ici une jeune femme bancaire à Kinshasa, on en a perdu deux comme ça, suite à des coups et blessures issues de leur conjoint. Les violences conjugales, c'est toute violence qui se passe sous le toit conjugal, oui, qui peut être commis par une femme sur son époux ou par un homme sur sa femme, parce qu'on a aussi perdu un mari à Bukavu. Oui, mais bon, généralement, c'est les femmes qui en sont victimes. Monsieur Charles, vous en pensez quoi? Justement, j'allais dire la même chose. C'est que, en mon sens, je pense que la violence, c'est avant tout une question de pouvoir. Et tout à fait naturellement, le fait que nous soyons dans une société qui, à ce jour, est encore plus ou moins, je dirais, machiste. Non, elle est totalement, pas encore et plus ou moins. Bon, je ne parlerai pas de machisme, je parlerai de patriarcal, quand même. Oui, mais effectivement, le machisme, c'est très patriarcal. Madame oui, Dibata. Je pense que c'est deux concepts qui se chevauchent. Et oui, donc, je disais que la société, étant donné qu'elle est encore assez machiste, et on voit effectivement le pouvoir qui est organisé autour de l'homme, donc masculin, a tendance à être mal utilisé lorsque ce pouvoir s'exerce dans un cadre qui est, je dirais, le foyer. D'accord. Et pourtant, deux personnes, c'est-à-dire le couple, donc un homme et une femme qui ont librement consenti à vivre ensemble, je pense, ont vocation à concourir à un bonheur.
Oui, mais comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on est dans une société patriarcale qui, dès le départ, les enfants, et notamment les petits garçons, sont éduqués pour être des petits guerriers et, de prendre tout le pouvoir. Alors, comment faire plus tard quand la personne a déjà intégré toutes ces normes-là de prise de pouvoir et de position, surtout envers une autre personne? Je ne sais pas comment on pourrait gérer tout cela. Vous avez posé la bonne question. Comment faire ? Comment faire, c'est-à-dire repartir à l'origine du problème que vous avez déjà commencé par dire, l'éducation. C'est-à-dire que notre système éducatif est basé sur deux modèles, c'est-à-dire un modèle qui est réservé exclusivement aux hommes et un modèle qui est réservé aux femmes. On envoie l'homme à faire des travaux qui sont des travaux manuels et on envoie la femme à faire des travaux qui sont des travaux ménagères. Donc ça conditionne déjà tout notre devenir, je dirais. Et si nous voulons demain, parce qu'aujourd'hui, demain se construit aujourd'hui, si nous voulons demain renverser cette vapeur, il faudrait que, de manière beaucoup plus large, que notre système éducatif soit revu, soit reformé dans sa profondeur. Oui, vous soulevez un point hyper important. Je vois que vous voulez intervenir, monsieur Gipica. Oui, comment ? Oui. Je vous donne la parole, mais OK, allez-y. Oh, ben, d'accord, merci déjà, parce que je voulais vraiment l'arracher. En rebondissant d'abord sur ce que madame Annie avait dit, et je suis content, pourquoi ? Parce que quand on parle, bien sûr, de violence conjugale, généralement, il y a cette ascendance qui vient parlant de la femme qui a la position de faiblesse, et c'est toujours l'homme qui est le bourreau, généralement. Alors, c'était bien aussi de pouvoir signifier qu'il y a aussi l'inverse qui se produit, et c'est toujours un genre de violence conjugale. Donc, autant la femme peut subir une violence conjugale, autant l'homme aussi peut subir une violence conjugale. Oui, mais en termes de pourcentage, c'est trop peu pour les hommes. Hein. Effectivement. Alors, non, pour les dire hommes que... sont extrêmement minoritaires par rapport aux violences conjugales. N'oubliez pas, là, effectivement, les hommes sont peut-être minoritaires, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a autant, il y a plus de femmes que d'hommes. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a une certaine malice qui se joue dans le genre. Je ne dirais pas que ce sont seulement les femmes qui sont malicieuses ou alors les hommes qui sont aussi malicieux. Et quand je parle de malice, c'est par rapport au fait que le fait de le clamer déjà si haut, au sortir déjà de cette forme de violence face à l'autorité juridique, d'emblée, la balance est d'abord penchée vers la femme, malgré les stigmates que porte l'homme. Alors c'est par rapport à ça que je voulais aussi un peu intervenir pour dire merci d'abord à madame de pouvoir avoir ressorti aussi cet aspect de choses. Nous sommes aussi par moments victimes de certaines violences conjugales. Au fait, moi ma réaction était plus concernant le cadre même, quand on dit violence conjugale. C'est-à-dire que ce sont des violences qui ont lieu dans le cadre du mariage, évidemment. Pas nécessairement le mariage. Deux personnes peuvent se décider de partager le toit sans nécessairement être mariées. Non, quand je dis mariée, oui, c'est une forme une vie de couple. Voilà. Bon, parce que de toutes les façons, je dirais que c'est un mariage constaté, c'est un mariage de fait, même s'il n'est pas reconnu devant les autorités. Mais je me dis, face à une telle violence, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'État, je dirais, qu'est-ce qu'aujourd'hui en tant qu'activiste vous pouvez réclamer au niveau des institutions légales pour essayer, je dirais, en quelque sorte de sécuriser le mariage? Parce que c'est un des aspects qui peut aussi par moment engendrer une forme de dégoût auprès de... Il est très difficile de voir une femme qui a par exemple obtenu le divorce de suite des violences conjugales, il est très difficile pour ce genre de femme de se remarier à nouveau, de se mettre à nouveau en couple. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu essayer de sécuriser, je dirais, ce cadre qui est le mariage? Il y a deux choses que nous pouvons faire. La première chose que nous faisons déjà, c'est mener les plaidoyers pour que l'Assemblée nationale, disons le Parlement, les deux chambres, arrivent à reconnaître et à légiférer sur les violences conjugales. Donc, si je comprends bien... Parce qu'il y a les gaps là, dans notre cadre légal. C'est ça. Donc, il y a un gap. Est-ce que, bon, pour parler de manière plus, je dirais, plus concrète. Oui. Une femme mariée qui se fait agresser par son mari, donc frappée, par son mari aujourd'hui et qu'elle va dans une station de police, techniquement, qu'est-ce qui se passe? Et vice-versa, un homme marié aussi et qui se fait agresser. Bref, parce qu'elles sont la catégorie d'hommes. Non, mais nous sommes dans le genre.
Oui, on est dans le genre, c'est mais on nouveau parle pour beaucoup moi. Comment ça? Je crois que les principes des droits, ça ne change pas des natures selon que c'est une femme ou un homme. Lorsqu'il y a une violence, ça c'est un principe de droit, la victime, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les femmes, désolé. Merci. La victime qui va à la police pour porter plainte, le policier est censé sécuriser d'abord cette victime et ensuite interpeller le bourreau. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça nous ramène au niveau de l'éducation. L'éducation dont Charles, Monsieur Charles parle ici, j'espère qu'il n'est pas en train de parler seulement de l'éducation formelle, parce que l'éducation qui nous conditionne le plus, c'est celle que nous recevons à la maison, dès les bas âges, c'est celle que la mère donne. Mais la mère aussi, dans les systèmes patriarcales, n'est qu'un agent conditionné elle-même pour reproduire les valeurs, je mets toujours entre guillemets, de la société patriarcale. Donc, deux choses, j'ai dit, d'une part, il faut absolument qu'on légifère, parce qu'on a beaucoup du mal à arriver à établir certaines infractions. Parce que ces femmes-là vont te dire, après, sous la pression de sa propre famille, je me suis cognée. Et si la victime dit qu'elle s'est cognée, vous ne pouvez plus rien faire pour elle. Au nom de l'amour. Au nom de l'amour. Deuxièmement... oui, allez-y. Deuxièmement... On va laisser finir, Ange. Deuxièmement, c'est qu'on doit vraiment s'assurer qu'il y a l'application des lois. Parce que malgré les gaps dont j'ai parlé, si le code pénal peut s'appliquer et être respecté, si le code de la famille peut s'appliquer et être respecté, un homme qui bat sa femme ne s'en sortirait pas comme ça. Et l'État a même mis des unités spéciales de protection de la femme et de l'enfant. Mais leurs valeurs socioculturelles prennent les dessus. Est-ce que c'est appliqué? On a une réelle problématique d'application des lois dans notre pays. Alors, avant de passer à autre chose, enfin, toujours dans cette même thématique, je vous propose de regarder une petite vidéo animatique qui explique ce que c'est que les violences basées sur le genre. Alors, on regarde avec le spécialiste de l'animation, Box Heidi. Selon la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la violence basée sur le genre est tout acte de violence fondé sur l'appartenance au sexe féminin causant ou susceptible de causer aux femmes des préjudices ou des souffrances physiques ou psychologiques et comprenant la menace, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Ce sont par exemple les violences conjugales, le mariage des enfants, le harcèlement scolaire, les mutilations génitales, la prostitution forcée, le trafic de personnes ou encore l'exploitation des travailleurs domestiques. Les violences basées sur le genre sont fondées sur le statut de subordination des femmes au sein de la société, se manifestant par des rapports de force historiquement inégaux. Comme nous venons de le voir dans la vidéo, les violences basées sur le genre sont assez larges. C'est notamment la prostitution forcée, le mariage précoce et tout un tas d'autres de sujets. Pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, madame, j'aimerais que vous nous fassiez peut-être un inventaire de ce que sont les violences conjugales. Quelle forme de violence conjugale on peut avoir dans un couple? Avoir des violences verbales, un homme qui insulte tout le temps sa femme, qui diminue sa femme. Exactement. Ces paroles violentes ont un effet sur la psychologie et même la psychique parfois de la femme. Il y a des femmes, vous voyez clairement qu'elles disjonctent. Mm-hmm. On peut, quand on a fait un peu de psychologie, on peut tout de suite dénicher la manière dont une femme parle, qu'elle subit des violences. Il y a des violences, même financières. Il y a femmes qui produisent de l'argent, mais qui n'ont pas de contrôle sur les ressources financières. Oui, l'homme prend tout à la fin dès qu'elle reçoit. Il y a les violences physiques où la femme est battue tout le temps. Oui. Donc, vraiment, il y a les violences sexuelles qui se passent même dans le mariage. Mais c'est un grand problème parce qu'on a vraiment du mal à reconnaître qu'un mari peut violer sa femme. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, c'est pas possible. Un mari dans un mariage, il ne peut pas y avoir des violences sexuelles. Suite à l'éducation reçue au conditionnement des femmes. La victime elle-même ne reconnaît pas souvent qu'elle a été violée. Donc, elle te raconte une histoire. J'étais malade, il voulait, j'ai refusé, il m'a tapé. Mais déjà, le fait de vouloir prendre ta femme de force alors qu'elle te dit qu'elle est malade, c'est déjà la violence sexuelle. Vous en pensez quoi, M. Charles, de violence sexuelle? Ah oui, parce que j'ai vu que M. Charles était vraiment en train de bouillonner, là.
J'ai failli croire qu'il s'est reconnu dans certains aspects. Même dans le mariage, qu'il peut y avoir ce qu'on appelle du viol. Oui, mais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Mais justement, ça me fait revenir sur ce que je disais tout à l'heure. La question, c'est le système éducatif. Qu'est-ce qu'on apprend à une jeune fille? On apprend à une jeune fille dans le contexte herdécien, c'est-à-dire que dans notre tradition, notre culture congolaise, on apprend à une jeune fille à devenir une épouse et une mère. Ça, c'est formaté. Dès qu'elle naît, c'est comme ça. Elle est destinée à devenir une épouse et une mère. On l'éduque pour servir. On l'éduque pour servir. Pour le prix. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cheminement? Il se passe que tout autour de cette personne, il y a des exemples, c'est-à-dire les modèles. Les modèles sont... le mariage, c'est difficile. Il y a une de mes nièces qu'une fois, en Belgique, me disait « Mais non, tonton, le mariage, ça ne peut pas être difficile. » C'est ça. Voilà, on dit « Le mariage, c'est difficile. » En quoi se résume cette difficulté? Cette difficulté se résume à accepter, malgré soi, toutes les choses qui vous sont imposées dans le cadre d'un couple. Alors, on éduque l'homme comment? On éduque l'homme à être le chef selon le concept chef congolais africain, c'est-à-dire celui le pourvoyeur. Envers qui on n'a absolument rien à dire, de qui on ne peut pas se plaindre, parce que le chef, il a toujours raison. Et au final, voilà pourquoi dans le prolongement je dis que cette violence était une question de pouvoir. Mm-hmm. Au final, on donne le pouvoir au masculin, donc à l'homme, et on rend la femme servante de l'homme. Au fait, je profite du fait que nous avons sur ce plateau deux activistes pour soulever aussi certains autres aspects. Aujourd'hui, c'est vrai que nous dénonçons un certain nombre de violences basées autant sur le genre ou se passant ou prenant lieu justement dans le cadre conjugal. Mais il y a aussi, je dirais, il y a aussi d'abord ce regard social que nous portons. Et en tant qu'activiste, je pense, je ne voudrais pas parler à votre place, vous savez très bien ce que vous faites, mais je pense que l'accent devrait aujourd'hui être plus posé sur le regard social, parce que quelque part, c'est aussi la société qui peut donner force à une loi, ou alors rendre cette loi-là complètement inefficace. Il est très rare aujourd'hui de voir des femmes parler, aller porter plainte contre leur mari. C'est là où justement j'aimerais atterrir. Ce regard social aujourd'hui, comment est-ce que vous, en tant qu'activiste, comment vous vous investissez à le changer pour faciliter, pour délier les langues? Parce qu'il y a certainement beaucoup de femmes qui vivent des réalités absolument horribles, oui, mais qui se disent qui ont peur du qu'en dira-t-on, au fait. Oui, et en plus, enfin, je vais juste vous raconter une petite histoire. La dernière fois, j'ai croisé une femme qui discutait avec une autre, je crois, sa belle-fille. Et sa belle-fille venait de se faire battre par son mari. Et la femme, du coup, sa belle-mère lui a dit, mais non, mais ça c'est normal, c'est ce qui pimente le couple. Ben ouais. J'aimerais vraiment avoir votre avis en tant qu'activiste social. Donc, on lui disait que c'était normal, c'est normal de prendre de temps en temps quelques coups, quelques gifles. Mais en plus, elle avait des bleus, mais vraiment partout. Et tout le monde considérait ça normal, que ça va pimenter le couple. J'étais choquée, extrêmement choquée. Oui, c'est choquant. C'est vraiment choquant à quel point la victime a intériorisé, oui, et est arrivée à accepter cette situation. Mm-mm. Peut-être pour revenir à la question de Madame Christelle, c'est que nous faisons beaucoup de sensibilisation. Ça fait juste, je crois, quelques semaines où une femme qui subit des violences conjugales m'a suivi sur les médias sociaux. J'étais en train de dénoncer quelque chose. Elle m'a écrit un inbox. Ça m'a quand même pris 3 bonnes semaines, des 2 heures du temps. Déjà que le temps est très précieux, mais j'ai dû créer pour qu'elle arrive à comprendre qu'elle pouvait se faire tuer. Dans les conditions où c'était, je vais te jeter du balcon si tu ne t'en vas pas d'ici. Bon, bref, c'est pour dire que ça prend beaucoup de temps. Nous faisons ce que nous pouvons, ça veut dire sensibiliser, mm-hmm, vulgariser les lois, mais aussi vraiment parler à des familles. L'exemple que je donne des Bukavu, mm-hmm, cette femme était déjà rentrée dans sa famille. C'est sa propre famille qui l'ont ramenée chez le bourreau et au finish, oui, ils ont dû l'enterrer. Nous faisons beaucoup de sensibilisation, mais nous faisons la vulgarisation aussi des lois. Vous avez demandé pourquoi les femmes ne dénoncent pas.
Mais on est dans un système patriarcal, nous l'avons déjà signifié tantôt, où les relations de pouvoir est telle que certaines catégories sont vraiment privilégiées. Une femme qui arrive à la police pour accuser un homme, on va lui rire au nez, son mari, mais il trouve que c'est un autre mari qui est là. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a manque de professionnalisme chez nous. Mm-hmm. C'est peut-être pas à 100%, mais ce sera quand même à 70%. Ça veut dire que ces policiers se mettent dans la peau du mari, mm-hmm. alors que la femme en face de lui, ce n'est pas sa femme. Mm-hmm. Et donc, il se met, lui, à juger cette femme, alors que ce n'est pas un juge. Il est juste censé prendre la déposition, protéger cette femme et faire passer les dossiers au parquet. On a des problèmes à plusieurs niveaux. Merci, vous nous invitez pour débattre sur ce dossier, mais vous êtes les quatrièmes pouvoirs. La presse, le média, essayez de voir quelle image. Maintenant, vous commencez à déconstruire. C'est ce qui a été construit pendant très longtemps. Mais dans une société, comme M. Charles l'a dit, où on éduque les filles à se marier. Le mariage, s'il vous plaît. Le mariage est vraiment considéré comme le Graal. C'est ce dont une fille doit aboutir. Et tant qu'on n'est pas marié, on est considéré comme... C'est la réalité. Il y a des gens qui passent des nuits à l'église. S'il vous plaît. On est vraiment considéré comme si la femme n'est pas aboutie. Et donc, les femmes se battent, entre guillemets, pour rentrer dans le mariage. Et du coup, elles font tout. Elles subissent, elles encaissent. Exactement, pour remplir le contrat social, elles subissent, elles encaissent pour maintenir ou se maintenir dans le mariage coûte que coûte. Il y a un facteur que je n'ai pas encore dit ici, c'est le rôle de la religion. Quelles que soient les tendances, vraiment, la religion, ça vient tout clôturer. Mmh. Au point où aujourd'hui, même pour faire appliquer la loi, ça devient un peu plus difficile parce que les croyances prennent les dessus. Parfois, ce n'est même pas la belle-mère qui va dire ça. Les femmes, au lieu d'aller à la police ou chez les juges, courent vite chez leur pasteur qui, à leur tour aussi, commence à abuser sexuellement même, parfois psychologiquement même. Et donc, le rôle des églises dans le renforcement des systèmes patriarcaux, c'est aussi quelque chose que nous abordons dans nos sensibilisations. Mais ce n'est pas évident, comme j'ai dit. Les questions de croyance, c'est profondément ancré dans les personnes, donc ça prend beaucoup de temps. Nous faisons de sensibilisation et nous espérons que l'État fasse sa part, qui est d'arrêter avec l'impunité. Dès qu'on va commencer à arrêter un ou deux ou trois maris, va commencer vraiment à appliquer, ce n'est pas qu'en Europe ou ailleurs, les hommes sont dociles. Non, mais c'est parce qu'on va lui donner 100 mètres carrés. Et quand il n'en veut pas, il observe qu'est-ce que la loi dit. Mais ici, ils s'en foutent complètement. Oui, dans notre et ils défient même la loi. Dans notre pays, la loi est complètement muette quand on violence conjugale. C'est vrai que la loi reconnaît les violences sexuelles et autres violences, mais quand c'est la violence conjugale, les lois sont complètement muettes. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo avec la juriste et l'avocate, Madame Joséphine Bella. Les violences conjugales, c'est un réel problème. C'est un sérieux problème. C'est un problème dont on parle très peu. Pourtant, c'est une violence tueuse, très tueuse parce qu'elle est silencieuse. Elle est silencieuse pourquoi? Parce que les femmes ne parlent pas. Les femmes ont peur de parler, les femmes ont peur de dénoncer. Les femmes ont peur de dire ce par quoi elles sont en train de passer dans leur ménage. Mais il faut qu'un jour qu'elles arrivent à parler, qu'elles arrivent à dénoncer. Parce que cela peut avoir beaucoup de conséquences dans la vie. Et c'est vrai que tout le monde n'en parle pas. On est tous concentrés sur les violences sexuelles, d'autant que cela porte atteinte à l'intégrité physique de la femme et que ça rend la femme plus que vulnérable qu'elle l'est déjà. Mais je pense qu'au-delà de cela, nous devons aussi parler des 7 violences qui est tueuse, des 7 violences qu'on appelait violences domestiques, parce que beaucoup sont victimes. Non seulement elles sont victimes compte tenu de la pauvreté aussi, de l'ignorance des droits, parce que tout tourne autour de l'ignorance. Avant de revendiquer un droit, on doit les connaître. Mais pour la plupart des femmes, elles ne savent pas comment revendiquer leurs droits. L'avocate a dit, elle a dit que les violences conjugales sont les plus dangereuses parce qu'elles sont silencieuses. Vous en pensez quoi, Monsieur Charles ?
Je suis tout à fait d'accord. Elles sont silencieuses parce qu'elles font partie de notre mode de vie. Elles sont silencieuses parce que, simplement, le système tel qu'il est hiérarchisé aujourd'hui en République démocratique du Congo font que ceux qui sont censés protéger font en fait ont reçu la même éducation. Donc on a tendance à banaliser les choses qui ont une importance aussi, je dirais, fondamentale. Alors, comment, madame l'a dit, lorsque une femme se rend dans un commissariat de police pour porter plainte, la personne qu'elle rencontre, à la majorité généralement, des cas, c'est un homme. Cet homme est formaté de la même manière que celui qui a battu, et peut-être même que cet homme venait de battre cette nuit-là même sa propre femme, parce que il pense qu'il a raison, parce qu'il pensait qu'il avait raison. Et dans ce prolongement, forcément, il va écouter avec un regard de jugement plutôt que de faire son travail d'officier de police judiciaire. Alors, est-ce que du coup, l'idée serait, une des solutions serait de mettre en place, par exemple, des brigades complètement féminines ? Non, je ne suis pas d'accord que ce soit une solution. Non, que ce soit des femmes qui accueillent les femmes. Vous voyez, par exemple, je vais donner peut-être un exemple qui n'a rien à voir, mais quand même, chez le gynécologue, moi, je suis plus à l'aise quand c'est une femme qu'un homme. Et donc, peut-être que les femmes peuvent être beaucoup plus à l'aise quand elles vont se confier à une autre femme, parce qu'on suppose qu'elles sont plus à même, peut-être, de nous écouter. Je ne suis pas certain. La réponse est tout de suite non. Si on t'a battu pour la femme chez qui tu vas te confier, là-bas, tu sauras. Les femmes qui ont du pouvoir dans ce même pays, elles ont quasi généralement le même type de comportement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que puisqu'on a été formaté d'une certaine façon, eh ben, on prendra sa revanche quand on passe de l'autre côté. Quand on passe de l'autre côté. Donc, ce qu'il faudrait, c'est avant tout reformer le système éducatif. C'est-à-dire que de travailler sur le modèle global, le modèle général. Mais ça vient d'être fait, au fait. Oui. Hein? Notre système éducatif formel vient de subir la réforme. Ça, c'est une très belle avancée. Donc maintenant, c'est l'application. On a même intégré des notions. L'application viendra lorsque la sensibilisation atteindra un certain seuil. Et lorsque cette prise de conscience collective va se développer à un certain niveau, c'est en ce moment-là que nous commencerons à voir en fait, les premiers fruits de cette application de la réforme. En fait, moi, je voudrais intervenir. Oui, M. Jipika, on écoute M. Jipika. D'accord. D'abord, merci. Pourquoi ? Parce que je suis resté bouche bée. J'ai beaucoup appris, ça bouillonnait en moi. Violence conjugale, certes. Culture patriarcale. Puisque c'est ainsi que vous l'avez nommé, j'en doute. Ça ne vient pas de nous, hein, c'est général. Hein. Bon, sur le plateau, bien sûr, j'en doute. Alors, je suis très content par rapport au fait que, Madame Annie, vous êtes sur terrain. Pas vous étiez, mais vous êtes sur terrain. Et vous êtes en train de le vivre et vous êtes en train, bien sûr, de batailler par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais moi, la question que je me pose, parce que là, nous sommes en train de parler de l'avenir en revenant sur ce que Monsieur Richard, c'est ça ? Monsieur Charles vient de dire par rapport au système éducationnel formel. Mais nous ne sommes pas sans savoir que cette même culture, la pesanteur de cette culture, du temps de nos ancêtres, parce que c'est une tradition qui se perpétue, mais qui est en train d'être modelée au fil du temps. Jadis, on n'a jamais entendu un aïeux se plaindre par rapport à ce genre de violence. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que les gens ne s'en plaignaient pas que ça n'existe pas. Je dirais encore mieux, si on n'a jamais entendu les aïeux s'en plaindre, c'est parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de se plaindre. C'est non pas parce qu'ils ne le vivaient pas. Aujourd'hui, on a non seulement... les femmes ont seulement cette capacité, c'est-à-dire ce pouvoir de se plaindre, certaines d'entre elles du moins, mais également, il y a des canaux de communication qui permettent de porter cette voix, c'est-à-dire que de relayer cette information. Ce qui, hier, dans une société qui était totalement verrouillée par un système où l'homme tenait les commandes de A à Z, faisait que, même s'il y en avait 1000 et qu'il y en a, peut-être aujourd'hui 500, la voix des 500 porte beaucoup plus forte que la voix de 1000 qu'il y avait hier qui était quasi...
Mais ça fait déjà plus de deux décennies que, bon, une décennie si je puis ainsi m'exprimer, que la jeune fille aujourd'hui a pris part déjà à cette discrimination qui était de ne pas être scolarisé, en tout cas en ce qui concerne l'ère de la République démocratique du Congo, donc ça veut dire l'accès à l'éducation, à la connaissance, en ce qui concerne la femme congolaise, on peut dire qu'elle a, elle est plus ou moins effective, bien qu'à un certain pourcentage, et connaître ses droits et ses devoirs, ce devrait d'être aussi une obligation, et qu'est-ce qui freine par rapport à la personnalité de la femme congolaise de pouvoir s'exprimer? Je me précipite pour prendre cette question là parce que j'ai fait parfois la Lomami ou les Kasaï ou les Tanganyika. Plus vous vous éloignez de Kinshasa, vous vous rendrez compte que cette réalité, ça va se limiter peut-être à Limété. Parce que dès que vous quittez Limété, je vous assure, vous entrez pour aller vers, je ne sais pas, Mokali ou Kisenso. C'est plus la même chose. Nous sommes encore dans la capitale. Mm. Parlons un peu de l'effectivité de l'accès à l'éducation. On a presque le même nombre, on a même moins d'écoles publiques que nous avions à l'époque de l'indépendance. Les Athénées, aujourd'hui, ça n'existe presque plus dans le province. Pour ne parler que de ça. Dans les cités, il n'y a pas d'école. Peut-être la prochaine fois, je vous envoie les images à l'avance. Où chaque enfant vient avec, soit c'est un morceau de bois, soit c'est des chaises confectionnées avec des lianes sur la tête. Ou carrément un morceau de brique. Pour aller avec à l'école et s'asseoir dessus. Les écoles sont à 10, 15, 20 kilomètres. Alors, pour protéger la fille, ou même pas la protéger parce qu'elle doit préparer, c'est les garçons qui continuent à aller à l'école, malgré l'effectivité et aujourd'hui la gratuité. C'est pourquoi je disais tantôt, la loi, c'est une chose, mais l'application de ces lois, c'est autre chose. Ça veut dire que l'État, qui est le garant ici, qui donne le droit et qui doit mettre en place les moyens de sa politique, doit construire assez d'écoles, doit rapprocher les services publics du consommateur de ces services-là, qui est, nous parlons de la fille aujourd'hui, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé. Avant de venir ici, j'ai lisé à Kananga 68 finalistes qui ne pourront pas faire les examens parce que maintenant, avec le confinement, elles se retrouvent enceintes. Bon, est-ce que pour que cette grossesse entre dans son ventre, elle a dû, c'était juste parce qu'elle s'est masturbée, je ne pense pas. Mais les garçons, non, mais elle était consentante alors. Ou pas forcément, mais peut-être mais qu'est-ce qui a prouvé que c'était des cas de viol? Selon la loi, l'âge de consentement en RDC reste quand même 18 ans. Donc, quelle qu'en soit la situation, elle a été violée, point. Si elle n'a pas 18 ans, ça a été du viol. Parce que contrairement à d'autres pays où l'âge du consentement sexuel est peut-être à 16 ans, chez nous, c'est 18 ans. Bon, elle a été violée, certes. Voilà. Donc, c'est pour dire que et vous avez parlé de la responsabilité de la femme. Oui. On n'est pas femme. On est petite fille. Et puis, pardon, on est adolescente. Merci. Ah ouais, femme, à la naissance, nous ne sommes pas femmes. Oui, vous êtes petite fille, c'est vrai. Nous sommes petites filles. Vous êtes sexe féminin. Effectivement. Dans le aujourd'hui, genre. C'est l'État qui a la responsabilité de vulgariser les lois. Ce que nous faisons, nous essayons de racoler, mais ce n'est pas notre travail de vulgariser la loi. L'État ne vulgarise pas. Quand on dit vulgariser, ce n'est pas c'est passé, c'est au journal officiel. Non, nous avons 4 langues nationales. C'est traduire ces langues, dans les lois en langue nationale, c'est les disséminer, les amener jusque dans les entités décentralisées. Vous trouvez aujourd'hui le code de la famille a été amendé. Vous êtes au Sankourou, vous avez un chef coutumier qui lui utilise les codes coutumiers. Est-ce que justement on peut dire que la loi est quasiment impuissante par rapport aux normes traditionnelles qui prévalent? Je pense la loi n'a jamais été impuissante, bon, donc, nulle part. Oui. C'est l'État qui est impuissant. Non, oui, et je l'ai dit, c'est les acteurs de l'État. Je dirais que c'est l'absence de l'autorité de l'État qui est justement un des facteurs qui contribue à pérenniser encore jusqu'à aujourd'hui ce phénomène. Là, c'est mon tour. Alors, j'aimerais m'adresser à Madame Annie. Moi, je reviens toujours sur la problématique de ces femmes qui subissent les violences conjugales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il serait mieux de mettre un visage sur ces violences? Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que ça serait beaucoup plus percutant? Parce que, excusez-moi, les violences conjugales, on en entend parler. Mais si aujourd'hui, on pouvait mettre un visage sur des faits, je pense que ça nous interpellerait plus. C'est un peu comme en journalisme, ce qu'on dit, la notion du mort kilométrique, au fait. Mm-hmm. C'est-à-dire 10 000 morts à l'est du pays ne vous affectent pas plus que le seul cadavre qu'on va découvrir au coin de votre avenue. Parce que ces violences-là, qu'on se le dise,
tant qu'on n'en parlera pas, tant qu'elles n'auront pas un visage à proprement parler, ça restera toujours une notion vague qu'on est appelé à découvrir malheureusement quand on tire la mauvaise carte. Et pour surenchérir, il serait possible de circonscrire géographiquement ou dans quelle zone particulièrement en République démocratique du Congo le pourcentage de ce type de violence conjugale due aussi par rapport à la coutume et à la culture est excessif par rapport à d'autres zones? Oui, mais ça, à mon avis, ça demande beaucoup d'années d'études. Moi, mon souci, c'est d'abord de mettre un visage. Mais quand vous dites mettre un visage, c'est-à-dire faire une grosse campagne faire parler. Par exemple, les réseaux sociaux déjà suffisent à eux seuls. C'est-à-dire aujourd'hui, faire parler une femme qui en a vraiment été victime et qui aujourd'hui s'en est relevée. Je crois que c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons fait parler le cadavre de cette jeune femme décédée suite au tabac de son époux. Et ça a fait bouger jusqu'au niveau le plus haut pour que même les autorités commencent à parler et à admettre que les violences conjugales sont les violences les plus dangereuses pour les femmes. Ça, c'est une chose, mais je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas forcer. Nous sommes dans un processus où nous menons les plaidoyers d'une part, nous aidons ces femmes. C'est tout un processus de guérison qui peut prendre des années. Donc, oui. Nous avons quelques femmes qui acceptent jusque-là à les faire individuellement. Je veux dire, lorsque vous avez une jeune femme qui s'est fait battre par son époux et tout, elle va l'aider, mais qui n'ont pas encore accepté to go public. Lorsque ce moment arrivera, je suis sûre qu'elles me suivent là, elles vont nous être d'une grande importance. Elles sont victimes d'une j'aimerais juste terminer. D'une double forme de violence quand elles décident de se mettre à nu publiquement, parce que déjà il y a le regard des autres, il y a le rejet social. Parce que même nous-mêmes, on est aussi, doit avouer que la vie n'est pas aussi simple que ça, parce que c'est tout de suite, tu portes toutes les formes des stigmates, comme on a dit. Et c'est comme on a eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de se retrouver pendant un temps à l'extérieur du pays. Du coup, on pense qu'on a tout emporté. Alors que ça n'a rien à voir. C'est comme aujourd'hui, nous parlons de ces femmes battues ou violées. On a milité pour que le protocole de Maputo, qui élargit les exceptions sur l'avortement, passe. Parce qu'une chose, une femme qui ne négocie pas sa sexualité et qui ne jouit pas de ses droits d'accéder aux contraceptifs, parce que le chef de la famille, nous sommes fait piéger par la loi, le chef de la famille lui refuse d'aller prendre ses contraceptifs et qui enchaîne les grossesses, ça aussi c'est une forme de violence parce qu'elle peut en mourir. Enchaîner les grossesses, c'est très dangereux pour une femme et les taux de mortalité des femmes dues à l'accouchement est très élevé aujourd'hui et la RDC est parmi les pays qui sont au rouge. Parler seulement de ça, du coup, on nous donne tout le nom du monde. Ça veut dire que le regard de la société sur la femme, quel que soit son statut, est très, ça pèse. Et la femme, elle est jugée très durement. C'est comme ça que nous décourageons l'idée, justement, de mener des combats pour la femme entièrement avec les femmes. Avoir des brigades entièrement féminines. Pourquoi? Parce qu'il y a les, comment on appelle ça, les préjugés. Non, ben ça donne counterproductive. C'est contre-productif. C'est contre-productif. Ouais. Je ne suis pas dans très la d'accord société, avec ça. Ça dépend. À un certain niveau, il faut contextualiser. Pour des questions aussi intimes que le viol, généralement, on a des psychologues femmes. Mais pour des questions où vous voulez les changements collectifs, des mentalités, là, puisque l'image de l'autorité, ça reste encore l'homme. Quand vous amenez un autre homme qui a l'image de l'autorité, mais qui vient donner un message qui est contraire à un message, ça veut dire que c'est le même messager qui a donné un autre message. Si vous entrez aujourd'hui, on travaille aussi avec les églises, je n'ai peut-être pas mentionné, c'est pas nous qui allons dire aux fidèles des choses. C'est passer une année ou deux ans à convaincre les leaders spirituels et qu'un jour, ce soit lui qui dise: ah, je crois que même moi, là, ce n'était pas un aspect spirituel. Je n'avais pas les informations scientifiques, mais c'est dangereux pour une femme d'enchaîner les grossesses. Il ne dit pas aller avorter, mais au moins, il va dire n'enchaîner pas les grossesses. Ça veut dire implicitement appliquer la planification familiale. Donc, c'est relativisé pour des questions très intimes à la femme. La personne de confiance, ça reste quand même une femme. Mais si c'est encore une fois une victime qui se faisait battre par une belle-mère ou par une tante, elle ne va même pas vouloir parler à une femme. Donc, il y a toujours des exceptions. On relativise. Ça, mais c'est toujours conjugal.
J'allais rebondir. Le dernier aspect de ma question était de savoir, est-ce que vous réservez aussi une part ou une approche pour les enfants? Les enfants qui assistent justement à ces scènes et qui, plus tard, on le redéveloppe plus le risque de les reproduire dans leur vie de couple. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en place pour accompagner justement les enfants qui sont témoins et qui peuvent subir par ricochet ces violences? Là, alors, je parlais à des niveaux. À mon niveau, en tant qu'actrice sociale, nous venons de mettre en place 2 maisons d'aide sociale parce qu'on a vu que dans notre système, cette prise en charge... Il n'y en a pas, ça devait se trouver entre les ministères du genre et les ministères des affaires sociales. Bon, il n'y a pas de maison d'aide sociale, il n'y a pas de safe house. Ça veut dire que même une femme battue qui vient se plaindre est quand même obligée de rentrer chez soi. On lui dit, fais attention, demain, viens au bureau. Mais cette nuit-là même, ça peut porter préjudice. À notre niveau, on a mis 2 maisons d'aide sociale. Ça va prendre les enfants comme ça qui sont en danger ou alors les femmes avec sa capacité qui est très réduite. Mais en même temps, nous faisons encore une fois les plaidoyers parce qu'en tant qu'activistes, c'est ce que nous pouvons faire. Mais c'est les décideurs qui doivent, eux, prendre des décisions. Une des choses que nous sommes en train de mener comme plaidoyer, c'est qu'à la session parlementaire qui va s'ouvrir en septembre, puisque c'est la session budgétaire, eh bien, que le ministère du genre famille et enfants puissent avoir un budget conséquent qui prenne cette ligne-là parce que le ministère n'en a pas. Le ministère des Affaires sociales puisse avoir aussi cette ligne-là. C'est comme ça que ça, l'État, à travers ses ministères, à travers ses agences, peuvent arriver à faire ce qu'ils sont censés faire. Oui, moi, je veux juste poser une question. Et aux deux, bien sûr. Par rapport à votre approche, est-ce qu'il serait, vous tenez compte aussi des us et coutumes, parce que nous avons parlé, bien sûr, de cette pesanteur traditionnelle. Et un homme sans origine ou un homme sans culture, un homme carrément perdu. Alors, est-ce que dans votre approche, vous tenez compte aussi de cette tradition qui est la nôtre? De la même manière, un homme qui conserve aveuglément ses anciennes lois, c'est un homme qui s'enferme et se meurt. C'est-à-dire que les us et coutumes, l'homme a une évolution. C'est-à-dire que tout évolue avec le temps. Les choses telles qu'on les conçoit aujourd'hui, elles sont peut-être dans un cadre, sont peut-être adéquates, mais demain, forcément, avec l'évolution, elles devront évoluer aussi. C'est vrai que la mentalité d'hier... Autant pourra homores, disent les latins, autre temps, autre mœurs. La mentalité d'hier, elle a ses atouts, elle a ses avantages, elle a aussi des inconvénients et ça ne servirait à rien de rester sur les inconvénients, tout simplement parce qu'elle a peut-être présenté certains avantages. Donc c'est dans ce sens que je pense qu'il est nécessaire d'aborder la question. Madame Annie, vous voulez rajouter Oui, moi je pense qu'en ce qui nous concerne, nous parlons des pratiques néfastes. Parce que personnellement, je crois que toutes les pratiques ou des valeurs de nos cultures ne sont pas nécessairement néfastes. Et donc nous identifions ces pratiques qui ont un impact négatif sur la société, sur l'individu de la femme ou de l'enfant. Et ce sont ces pratiques-là que nous éradiquons. Si je dois prendre un exemple concret, je parlerai... aujourd'hui, je peux prendre l'exemple de la dot. Qu'est-ce que nous combattons? C'est la commercialisation de la dot. Ça c'est tellement perversé. Oui. Par contre, ce n'est pas la dot le problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi je dois voter une loi, ça sera d'uniformiser et que ça soit bien clair que telle culture, c'est une bague de cuivre ou je ne sais pas moi quoi, que ça soit bien clair. Parce que c'était symbolique avant. On aura l'occasion de parler de la dot dans une autre émission. Malheureusement, nous allons vers la fin de cette émission. C'est vrai qu'il y a encore énormément de questions. On n'a pas envie de terminer, on a envie de continuer tellement c'est intéressant. Mais bon, on doit rendre le plateau. Un petit mot de la fin, peut-être? Bon, moi, je profite de ces petits mots de la fin pour souligner que nous faisons aussi beaucoup de campagnes de la masculinité positive parce que nous sommes très convaincus que dans un système patriarcal, les hommes ont un grand rôle à jouer. C'est les hommes convertis, du moins, au respect des droits de la femme, ont un grand rôle à jouer pour changer la mentalité de la société. Donc, nous comptons sur vous, Monsieur Charles, Monsieur Pitika, JPK, nous comptons sur vous pour aller nous aider à changer la mentalité des autres hommes. Merci.
Ben, j'aborderai dans le même sens. Merci parce que nous avons eu l'opportunité de contribuer justement à parler à ces autres hommes comme nous d'un point de vue différent. C'est-à-dire que de comprendre que quand on a une conjointe, quand on a une épouse, quand on a une compagne, c'est avant tout parce qu'on a une vocation à concourir au bonheur de l'un et de l'autre. Et dans ce cadre-là, nous devons rechercher le plus souvent cette entente, cette convivialité, cette amitié, de faire en sorte que les relations humaines entre conjoints soient le cadre par excellence où se développent les sentiments. Donc je pense que le message pour moi, c'était plutôt celui-là. Merci beaucoup. Et pour vous deux, Madame Christelle, Un petit mot de la fin, c'est que c'est toujours un plaisir de se retrouver sur ce plateau et de discuter des sujets qui sont aussi importants. J'aimerais également remercier nos deux activistes qui étaient là aujourd'hui, justement pour leurs efforts incessants pour changer véritablement la donne. Il est vrai qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'être une femme, mais ça l'est encore plus quand on est dans une société qui vous accepte, qui vous accompagne et bien sûr qui vous protège. Et pour terminer, j'aimerais également faire un petit coucou et de remerciements à Pamela Moindo. C'est elle qui s'est assurée de notre mise en beauté aujourd'hui et j'aimerais pour cela lui adresser mes sincères remerciements. Merci Pamela. Alors moi je m'adresserai particulièrement à toutes les femmes, la République démocratique du Congo en particulier et du monde en général, en disant déjà que, comme l'a si bien dit Ange au début, une femme sur trois a déjà subi une forme de violence et deux femmes sur trois dans le monde sont susceptibles de subir une forme de violence à l'avenir. Et ça c'est en tant que humaine que je parle, alors n'hésitez pas de dénoncer. Aujourd'hui nous parlons bien sûr de violence conjugale et bon, en parlant de conjoint, vous êtes la conjointe à qui je suis en train de m'adresser, n'hésitez pas de dénoncer pour que bien sûr, pas que réparation soit faite, mais pour que vous puissiez recréer une harmonie. Pourquoi ? Parce qu'en dénonçant, vous pouvez peut-être pas aller directement devant les instances, mais en allant directement vers la personne qui a une ascendance sur votre conjoint, et quand ça risque de vous être fatal, allez-y directement vers les instances, n'hésitez pas. La vie, elle est tellement précieuse, et les Vimen nous sommes là pour vous soutenir, et que la vie soit meilleure pour un Congo d'avenir. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur votre chaîne B1. Merci à nos deux invités. J'étais ravie de vous avoir sur le plateau et j'espère que vous reviendrez sur d'autres thématiques. Je vous rappelle que cette émission est à suivre et re-suivre et re-regarder sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux. Restez connectés. J'en profite pour remercier également Zuri Luxury Air, notre partenaire beauté. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses. Prenez soin de vous et surtout, restez positive. Ciao !